Maliennes et Maliens, chers Maliens de la diaspora du Mali, chers Africains, aujourd'hui, beaucoup de personnes que certains appelleront des influenceurs, d'autres des communicateurs, certains diront des activistes, d'autres même diront des vidéomans. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un collectif qui s'est retrouvé pour soutenir leurs camarades, le camarade Nuhum Togo, qui est aujourd'hui à la maison centrale d'arrêt de Bamako, à la MCA, depuis le 21 novembre 2022. Alors ce collectif s'est constitué de façon très spontanée d'ailleurs, pour montrer au peuple malien que désormais, tous ceux-là qui ont la même idéologie, la même pensée, la même façon de réfléchir et d'agir, pour soutenir la refondation pour laquelle nous nous sommes battus, ont décidé de se donner la main partout au Mali. Et bien sûr, il y a aussi les régionaux qui nous ont rejoints, mais ils ne pouvaient pas être là physiquement. Et certains parmi eux nous ont appelés pour nous dire qu'ils sont de cœur avec nous. Pour dire que désormais, toute personne victime de ceux-là dont est victime notre camarade Nuhum Togo retiendra aussi notre attention. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel et surtout demander indulgence au niveau du représentant du peuple dans chaque juridiction. Ici, en l'occurrence, la juridiction de la commune 6, le procureur général, qui est le représentant du ministère public, donc du peuple malien, au nom duquel il peut enfermer, au nom duquel il peut libérer les Maliens. Nous demandons son indulgence par rapport au cas précis de Nuhum Togo. Et nous nous sommes réunis aujourd'hui pour ce cas précis, pour montrer à notre camarade qui est, certes, qui a des œdèmes au niveau des pieds, mais qui, qui a quand même une santé, un mental de fer. Nous demandons aussi à nos autorités administratives et politiques de prêter attention et surtout d'avoir une oreille attentive à l'intention de ceux-là qui influencent les opinions. Parce que c'est grâce à leur travail, femmes et hommes jeunes que vous voyez, que nous nous sommes débarrassés ou nous nous sommes en train de nous débarrasser de la prédation internationale. C'est le travail de ceux-là qui a fait que le Mali est en train d'avancer vers la refondation. Donc je vais permettre à Amara Silla de traduire ce que j'ai dit en langue nationale bamanakan avant la déclaration. Merci. Merci. Et salam alaikum ambalma malion ambe malien benfo mali kono mali koka region ambe benfo ka be barkada bi ambe sigimina o sigiti dore ambalma ke an camarade ana an kroke no num togo actuellement ale nele no abe berela no MCA niveau no maison centrale d'arrêt ka wole bla an autorité ma ka nyini ufe deli do an camarade no num togo e u ka lajɛ a ka se ka taa ka denbaya kɔrɔ chef de famille de do parti politique ɲɛmɔgɔ de do en même temps Nuhum Togo n'o y' an camarade ye an y'a constate a ye nin ta min kɛ kaso kɔnɔ bana dɔ b'a la n'o bɛ a sen na n'a bi funu o bana yi an bɛ ka constate o bɛ ka jugu an ye visite minnu rendu a la donc o hukumu kɔnɔna la k'a ɲini an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ n'o ye notamant an ka procureur ye a ka an magoto Nuhum Togo ka ko la pour que Nuhum Togo be se ka segi a ka famille kɔnɔ ka kelen fɔ mali autoritéw ye c'est à dire mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ bi an bɛ wagati min na u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u kana décourager n'u tora ka décourager a ma ɲi n'i ka wulujugu faga dɔ ta b'i kin parce que an ye fɛn dɔ constate transition kɔnɔ nin wagati mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka transition dɛmɛ a dusukun na a kelen kelen a ka ca plus de 5 6 10 kan ɲɔgɔn a bɛɛ bɛ ka problème sɔrɔ donc an bɛ dan nin yɔrɔ la ka ɲini an ka autoritéw fɛ u ka attention particulière u ka layɛ an camarade a bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ bɔ kuma la an camarade ninnu u bɛna an ka déclaration kalan an tɔgɔ la salamu alaikum. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Grand merci au peuple digne du Mali. Grand merci à sa diaspora. Et salutations patriotiques à tous les patriotes de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voici le contenu de la déclaration du collectif de soutien aux camarades Nuhum Togo. Bamako, le 10 décembre 2022. Déclaration du collectif de soutien aux camarades Nuhum Togo. Réunis ce jour, 10 décembre 2022, journée internationale de la déclaration des droits de l'homme et des peuples, informe de ce qui suit.
suite à une plainte de M. Mamala, pour diffamation contre les camarades Nuhuntogo, celui-ci a été convoqué pour auditionner, pour audition le 10 novembre 2022 au tribunal de première instance de la commune 6. Le jour même, le plaignant a reçu les camarades Nuhuntogo chez lui, en présence de son avocat et celui de M. Nuhuntogo. Les deux parties ont convenu de procéder à un règlement à l'amiable de leurs différends. Ainsi, le camarade Nuhuntogo a présenté ses excuses à M. Mamala et celui-ci a de son côté retiré sa plainte avec l'accompagnement de leurs avocats respectifs, qui devait en informer le juge d'instruction afin d'interrompre le processus d'instruction de l'affaire. Apparemment, ce suivi n'étant pas fait, le juge a estimé nécessaire de poursuivre la procédure. Ainsi, notre camarade Nuhuntogo a été placé sous mandat de dépôt. Depuis plus de deux semaines, lundi 21 novembre 2022. Et malheureusement, pour des raisons d'indisponibilité sociale du juge, de voyage et de voyages du procureur et ou de grève, notre camarade, fort du retrait de la plainte, a demandé une liberté provisoire. Et jusqu'à présent, il est en détention. Il est en détention à la MCA. Le collectif de soutien aux camarades Nuhuntogo remercie M. Mamala pour son geste humble et salutaire. Le collectif, compte tenu des problèmes de santé œdème au pied de notre camarade Nuhuntogo, de l'absence de l'opportunité de poursuivre vu le retrait de la plainte, sollicite auprès du procureur de la République de la commune 5 la libération de la commune 6, autant pour moi, la libération de notre camarade Nuhuntogo. Le collectif de soutien au camarade Nuhuntogo, Bamako, le 10 décembre 2022. Je vous remercie. Aywa, ambe foli se bela jelema. Foli ko fe abalmaké sriki kwete, mi mbora 600 kalan, seven kono nama wole ka foko déclaration. Akuma famba nemino tako o lase an le mbora bela jelema, ibne ka fo an ka kana, wal manka tunu kana. Ono ka amba damne ni akedo nyinye ka se mama la yoroma. Ka sabu ke seven kono afora. Kabikalo temene no ino amru kaloe o kle tan mamala ala menen ko kritike la mo fe o dongele an nuntu ko sigira ukmana badia konana o ya yini ka fo ko nkuen ka dan srala ka bo dona kana be bima abi be kalo klenema mamala ko adabo ko kala sa chukumina ak ya adabo atoko kana jemene chukumina abi na fami domine ko bi kirita chukuma o masro donc amo hakitu yini ko yini ko sama bié décembre kalo kle tanye anga jamana kono la la sigi do be kiri kunka kiri ka majeo ani mamunu be nu ma nafa na tafani na fasro kiri kola we wole bla fangama ka wole bla fanga tikala mo ma ka tuka dama kashike bi nyo samu ani woroye obe bla don fane kono do metale ke do sera oni armadia haka wala fasalila obe de kama an sona bi kanjo ni jama kulu munu faranyonka ni do ma yan soro ka sabu ke ro janyaye ni doma yan soro ka sebu ko be jamana koka ni mamunu sera ya wakli dono olula olu jama kulu bela jelen tora anyina ka fami domine kobi anga bamali bakono
nous sommes tous les jamatigi de do parti no e kurka otike la mordo moko fele do nafa fara chumina u joro buena jamana basila u joro buena kibara u dilila munu meteleke anga jamana ka sika era sorobi ka bo cheni kala blo era ka fo komi no nana fili bara de do kritike la moko siglendo ni fili kon nana armado nyon che u ka sika anu kuma nyon ake ono ka ni fili kunka u yakanu baria kono no nuntugo ani mamala u flabe ka sulo do nya koro ka fo ku ka ni koin blani yoro la o koyem blaleni yoro la kara ka be no amur kalo kletama o de kama ayira ka foko femetale ke mamala ale ka sunal do na ru kunga sekata chidi jujuma ka foko ben kara mina ani nyoko che abitale kenna ngaira ka fo amina fo bara de make o bara de semboloma juju koni wula ayem robla atra nun tugo no fekana nay o re na wolo datugulla datuguli mi ni abiye ka foko kam domine ikobi mabisega jigya ka foko kunta kumbo ka sabuke akanga datugu kunyin kama o kunji bona abiye ka fo datugulu ta kumbo ka sabu ke muna mokodo sola dola de bablo mokodo ama bangata juju jabi mokodo ama boli kirnye mokodo abe ka do kaso kono bi kaso mi na le ta kundo ka sabu ke munye sola dona abe mokodo ka koko fo inola juju nyokoro ka keni ko tamanye wal ma baracha ma hukumu konana na ira ka fo ko chi do mabo se sola dona yoro la wal ma ma ka sola dona la min kunga ta chi se jujuma ni nana mleka do kaso kono ama don ka fo onoka e kunga ngania te ka fo ko ka kiri korobo e ka ngania kunte ka fo ki me muruti krima onoka aira ka fo flemindo flin noka ni mami na bo kunga no tikla moko ko kale yafara fli kanga do orola ka fara ni beka nun to ka bikenya o joro baana anya ka fo anga jamana en kono ni wati lama nun kono na mamu nu fene kelem ku gusso ko ka fo ko fo yele moko ke garante chamantal no ku segere ami minni ni o ye ka fo commune 6 procureur ale de be mini ale ka wulika jonye shini ndo ni chenin kera ka seka chenin dalasa ama nyini ufe uka freke ni nkuin aka seka da sodala mama la dabo jigra min kama o jigra fne ka seka ufne ka to aye note ama yere nyini ngambi mami ni damakashi kera otikla mo fe no o rebe ka wulika joke bi ai damakashi ga mami kungoro ale de tika sunungo o kungola abina fo equilibre mini kirika ka seka di jamana kuno doma o maje babe ka keno mirna bela jelin collectif de défense du et collectif de soutien à Nuntogo ya kanu ka fanga la seluke ka ira fanga tikla mola bela jelen ki sokoke ya san Nuntogo aka sika bla ibne kata aka taka de ma konana e ma min do na anda o de talikena ka nyini bela jelen fe ko wulika jobanye pour que nin koing aka sika ke kuna wole. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc vraiment haut de kundo ambe maliambe ambe baraka da maliambe. Vraiment merci pour tous ceux qui sont venus munu manda munu yuka tiou blakana ka foko u ba no fe ambe kele donc faut que beka don drom malien be de fara la ñokon kambi force du changement mo be ani munu be activiste ya la munu ya influenceur yu be de fara la ñokon kan munu be lamé kosobe wulu de fara la ñokon ka foko vraiment désormais ni na ñokon ay mo ko sura nga wili ka joké donc camarade de num togo de kera mo ye mi ya bénéficier la bi donc ambañi ni ala fe bana misen mi mbasina alaka no ya kai namba ni procureur fana fait vraiment à cas donc on n'en veut à personne dans cette affaire mais on voudrait vraiment que nous tous libérer ou de la nayo kuma ujate mine vraiment barkada de bagné procureur yoro la pour que il joue son rôle du ministère public Allah sagaw sagaw be bokuma na.